Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, car moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul action. Il y a beaucoup de choses, ça va durer un petit moment je pense. Donc prenez un café, un thé, un chocolat. Moi je me suis fait mon coca zéro, parce que si j'ai soif entre temps comme ça j'ai de quoi boire. On a Mamie Sylvie qui est juste à côté. Ah non, elle veut pas se montrer. Ah, elle s'est montrée une seule fois, ça suffit. La star s'est dévoilée au grand jour dans le hall de la, dans le vlog de l'aréna. Donc voilà. Bon, on va commencer de suite. Il y a des achats pour moi et pour ma maman. Donc tout est mélangé. Je vous montre tout. Je vous montrerai les prix à l'écran comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, hein, c'est parti. Hein. Alors, pour commencer, j'ai pris du papier toilette. Et oui, je le prends tout le temps. Il est bien, il est pas cher. Que demander de plus? Il y a combien? Il y a 9 rouleaux. Franchement, je l'aime bien. Honnêtement, rien à dire. Et il est blanc. Oui, parce que moi, j'aime que le papier toilette soit blanc pour aller dans la déco des toilettes. Oui, comme les éponges. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des cotons. J'en avais plus. Et c'est pas mal. Il y en a 80 dedans. Sont bien, enfin, c'est des cotons, quoi. Franchement, je les prends chez Action en général, ou chez Lidl, mais là, je les ai vus à Action, donc je les ai pris. Je plonge, j'ai deux poches et un sac, je vais vous montrer quand même, un sac rempli de choses. Oula, ça a tombé. Donc, je vais plonger souvent dans les sacs. Alors, ça, c'est pour Mamie. Elle s'est pris un livre de mots mêlés, c'est ça, vraiment? Donc, elle doit trouver là, dans la grille des mots. Bon, écoutez, elle aime bien faire ce genre de choses, donc écoutez. Voilà, c'est pour la mémoire. Il y en a plusieurs, ça existe en sudoku, multijeu, jeux mêlés et mots fléchés aussi, si vous voulez savoir. Donc voilà, un petit cahier de jeux. Ensuite, pour mon petit chat, pour Flocon, des petits sticks au poulet et des petits sticks, c'est quoi? Au poisson. C'est au poisson? Oui, c'est au poisson. Oh, il y a un poisson dessiné en haut. Donc voilà, donc dedans il y en a 6 à chaque fois, des sticks, il adore, ce sont ses bonbons, on lui découpe, là, parce que vous voyez c'est une barre comme ça qui se coupe en plusieurs bouts, il faut lui couper en petits bouts, lui mettre précisément à un endroit bien précis, la duchesse, bref, ah mais il y en a encore là, oula il y en a plein, bon, non mais là non, tu t'es trompée, il y a 3 poissons maman et un poulet, ah mince, bon bah ça sera très poisson Flocon, hein. Bon, ensuite, je prends comme ça. Hein. Ma maman s'est pris de l'huile à l'ail. Alors, moi, j'aime pas trop. Mais ma maman aime bien. Il y a des petits morceaux d'ail. Ça fait un moment que ça existe à Action. C'est une bouteille de 500 ml. Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut la consommer avant le 4 septembre 2025. Il y a une date de péremption sur les huiles. Oh, ça, j'ai eu beau. Donc, vous voyez. Bon, c'est pas mal. Mais bon, c'est fort en ail. Bon, j'aime pas trop. Mais bon, ma mounette, elle adore. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est cuisine, j'ai trouvé des éponges bleues. Alors, celles-ci ne sont pas toutes bleues. Donc, j'ai pris celles-ci pour cet été. Donc, je suis trop contente. Enfin, les éponges bleues, et moi, je suis contente. Il y en a 3 dedans. Et c'est trop bien. Les éponges. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Alors, ça, c'est Mamie qui s'est pris ça. Un shampoing violet, parce qu'elle a les cheveux blancs. Et elle fait ça de temps en temps. Et c'est vrai que son blanc est plus blanc que jaune, parce que des fois, ça peut virer au jaune. Mais là, c'est très joli. Elle a une jolie couleur de blanc. J'ai du mal, hein. On est dimanche à la fois. Donc, c'est un shampoing... C'est vegan. Je sais pas si c'est beau, là. Non, voilà. C'est pour les cheveux blonds ou gris. Et qu'est-ce qu'ils disent? Shampoing violet, donc voilà. Donc, elle a pris le shampoing. T'as pas pris l'après-shampoing? Elle en a déjà. Ensuite, pour rester pour Flocon, ceci. Alors, ça, c'est bien. C'est pour mettre dans la litière. Ça sent la lavande. Elle saupoudre sur la litière. Et du coup, ben, ça sent meilleur. Et ça n'embête pas Flocon. Donc, ben, voilà. Et elle le trouve que chez Action, il me semble. Pas cher. Parce qu'il est moins cher. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Il est moins cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Tiens, on va rester. Oh! De la lessive. Alors honnêtement, 42 lavages, elle fait combien? 3 litres. Pour le prix, elle est top. Moi, je l'adore. Je la prends tout le temps. Je la prends même en réserve. Quand j'en trouve, j'en rachète pour avoir une réserve. Et ça, franchement, essayez. Honnêtement, ça vaut pas le coup d'acheter des lessives hors de prix. Moi, je l'aime bien. Ah, c'est une nouvelle senteur, rose et magnolia. Donc là. Ah oui, ça sent bien. Ça sent bien. Avant, ça sentait le savon de Marseille, mais je crois que je l'avais vu la dernière fois. Je suis pas sûre.
Donc voilà, la lessive, c'est bien lourd, c'est bien lourd. Ensuite, en promo de la semaine, il y avait les bougies Glade. Je pense qu'il y en a d'autres que vous allez en revoir. Donc j'ai pris pour moi celle-ci. Donc ça sent les baies fraîches et élégantes. Ah ben alors, si elles sont élégantes, ça sent bon. J'aime trop, j'aime trop. Si vous entendez du bruit, c'est Idriss, s'exprime. Il est dans le bain avec son frère et bon, bien sûr, sur surveillance. Il s'éclate. Bref, et celle-ci, c'est... Alors, ça a quoi ? Parfum de synthèse. C'est relaxing zen. Alors ça, je vais être zen après ça. Honnêtement, ces bougies, c'est une valeur sûre. Il y a 15 en promo la semaine. Je crois que c'était moins de 2 euros. De toute façon, je vous mettrai le prix. C'était super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Vous me connaissez pour la passion des faux ongles. Eh bien, j'en ai trouvé d'autres. Oui, j'ai trouvé des nouveautés. Donc, j'ai pris ceux-ci. Alors, ils sont blancs et beige. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont une forme amande. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, il y a 24 faux ongles avec la colle. Il y a ceux-là. Alors, ceux-là, ils sont trop beaux. Je les avais achetés les mêmes, mais dans les tons orangés. Ils sont trop jolis. Et j'ai pris ceux-là. C'est quoi ? Corail ou corail clair. Donc voilà, donc, je suis trop contente. Il y en avait d'autres, mais ils sont vraiment, vous savez, de forme très pointue. Je n'aime pas trop. Donc j'ai pris ceux-là. Il y en a un autre que je cherche en French de couleur, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, des nouveaux faux ongles pour ma collection. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris des piles. Donc, on a pris des double A. Donc ça, c'est moi qui les ai pris. Non, c'est mamie. Donc attendez, ça c'est mamie. Voilà, des double A. Elles valent ce qu'elles valent, mais honnêtement, c'est une pile. Moi, on me les vole. J'achète des piles, je les mets dans mon cellier, dans une boîte, et quand j'en ai besoin un jour, il n'y en a plus. Hein, Kendall, je passe par là, je sais que c'est toi. Et elle a pris des triple A, des comme ceci. Donc voilà, on a toujours besoin de piles, parce que le soir, on allume toutes nos petites lampiotes, et du coup, ben, on a besoin de piles. Ensuite, dans la salle de bain, on a trouvé une nouveauté. C'est un peigne comme ça pour masser... Alors, attendez, c'est écrit en français. Ça sera mieux. Peigne gua sha pour le cuir chevelu. Bon pour la circulation sanguine. Exercez une pression légère à moyenne sur le cuir chevelu et peignez d'avant en arrière. Répétez l'opération plusieurs fois. Peut également s'utiliser avec un sérum ou une huile capillaire. Nettoyez à l'aide d'un savon doux à l'eau chaude. Convient un usage quotidien. Donc voilà, mais écoutez, attendez, on va l'ouvrir pour le voir de plus près. J'avais vu ça sur l'application Action en nouveauté et je me suis dit, bah, écoutez, faut que j'essaye, mais oui. Alors, si j'arrive à le sortir, ah, il est accroché, ah bah mince alors. Bon, vous savez quoi, je casse tout. Ah, il est bien accroché, donc je ne peux pas l'enlever, mais vous voyez, il est comme ça. Ah, c'est de la pire, c'est frais, enfin même froid. Bon, on verra ce que ça donne et lors d'un vlog, je vous dirai ce que j'en pense. Je pense qu'Iliana va essayer aussi. Donc, elle vous dira aussi. Ensuite, ma lunette s'est acheté des écouteurs. Oui, parce qu'elle regarde des vidéos YouTube le soir. Et donc, voilà. Et elle écoute sa fille aussi. Je sais, maman, que tu m'écoutes sur... Elle me met sur la télé quand même. Non, mais quand même, sur la télé. L'autre fois, j'étais chez elle, elle me dit « Tu veux qu'on regarde ta dernière vidéo sur la télé ?» Je dis « Non, ça va aller, c'est gentil. » Et ben si. Bon, bref, donc des écouteurs. Rien de foufou. Le fil fait 1,2 m. Donc ça va, il est assez grand. Donc, voilà, voilà. Ensuite, ah ben il y a encore une bougie. Ah, c'en est une autre. J'ai pris une de chaque, moi. D'accord, celle-là. Ils sont bons ceux-là, c'est quoi ? Non, je vais pas te voler. Elle croit que je lui vole tout, arrête un peu. Mais je t'emprunte. Ça sent quoi ? Ah, c'est écrit là ? Chérie et... cerise et pivoine. Si je... Oui, c'est ça, cerise et pivoine. Donc, voilà. Une de plus. Ensuite, petit cadeau pour les enfants, parce que quand on y va, on craque. Regardez ça, un camion pour Idriss avec des voitures. Alors ça, il va adorer parce qu'Idriss est un vrai garçon. Voiture, bagarre, tout, c'est pour lui. Alors là, une voiture et un camion. Donc écoutez, bon, on verra combien de temps le jeu dure. Parce que Idriss, je pense que plus tard, sera destructeur.
Je l'imagine trop sur un engin de chantier là avec une ouf, une boule. Moi, je casse tout. Une boule qui casse les murs. Bon, et avec Kendall, on a trouvé une nouvelle collection. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on était en train de faire? La collection des personnages Avengers, ben, il n'y en avait plus. Donc, bon, la collection s'est arrêtée. Mais là, on en a trouvé d'autres. Donc là, c'est pas de surprise parce que quand la boîte, ben, on y voit dedans. Mais c'est Harry Potter. Donc, on a trouvé des figurines comme ça. Donc là, c'est Bellatrix Lestrange. Je crois elle est trop belle. Elle... Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on a trouvé Sirius Black. Je suis trop contente. Je suis fan d'Harry, donc... Voldemort. Eh oui, il fallait celui-ci. C'est vrai qu'il n'avait aucune figurine de Voldemort. Hermione. Un peu bizarre, Hermione, pour être honnête. Et Monsieur Harry Potter sur son balai. Trop beau. Voilà, on a trouvé toutes ces figurines, il n'y avait que ça, donc on a tout pris. Alors, ensuite, on va passer à la deuxième poche. Excusez-moi, madame, poussez-vous. Alors là, c'est en promo de la semaine, j'ai eu un coup de cœur sur des petits miroirs. J'en ai pris trois. Regardez-moi comme ils sont trop, 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 trop beaux. Franchement, je les adore et je pense que je vais en incorporer peut-être... sur mon mur, je vais voir, je suis pas sûre, mais honnêtement, ils sont trop beaux. Alors, est-ce que j'ai la taille? Non. Non, si je trouve la taille sur le site, je vous la mettrai. Mais franchement, ils sont trop mignons. Donc, j'en ai pris trois. Voilà, trois petits. Et franchement, je suis trop contente parce que l'année dernière, je les avais vus, mais je n'avais pas réussi à les avoir. Et cette année, je les ai eus et en promo. C'est pas beau, ça? Voilà, mais il n'y avait que ça dans la deuxième partie. Et maintenant, on va passer à l'énorme sac. Non, mais vraiment, c'est quelque chose. Alors, je vais l'ouvrir. Parce que le sac aussi vient de chez Action. Je vous montrerai en dernier quand il sera vide. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a le tout. Il y a le tout, il y a le tout. On va commencer par des mouchoirs. Donc, 10 paquets de petits mouchoirs comme ceci, individuels. C'est pour ma mounette. Elle les aime bien. Donc, hop, dans sa poche. Ensuite, qu'est-ce que tu peux trouver? Alors ça, je sais pas. C'est des mac and cheese. C'est américain. C'est américain, oui, ça je pense. Donc écoutez, je sais pas ce que ça... Moi, c'est pas un truc qui me donnerait envie. Mais tu nous diras, maman, si c'est bien ou pas. Donc il y a combien dedans? 206 grammes. Ah oui, il y a beaucoup. Les calories? Oh non. Non, ça, sur ce... Oui, oui, on s'en fout, vous avez raison. Donc voilà, mac and cheese. Américaine, mamie. J'ai pris... Pour les jours de la flemme, des assiettes en carton. Franchement, ça dépanne. Parce que honnêtement, la vaisselle, c'est sympa. Mais si on peut éviter, c'est pas mal. Parce que j'ai pas de lave-vaisselle. La vaisselle, c'est mes mains. Mais bon, je bois un petit coup de coca. Hein, parce que. Il fait soif, il fait soif. Donc voilà. Tu avais encore une bougie Glade. Donc celle-ci, c'est la mienne. Non, ça suffit. Tu vas pas tout prendre. Elle veut piquer tout. Celle-là, c'est la mienne, ma mounette. Je dois en avoir une autre et j'ai celle-ci. Voilà, donc celle-là, je vous ai montré. Donc, celle-ci, c'est les miennes. Et ma mounette a pris les autres. Ensuite, j'ai pris des gâteaux fourrés goût amande. C'est hyper bon. Franchement, c'est trop, trop bon. Ça a goût de frangipane. Je crois que je vous ai déjà montré, mais je les aime bien. Donc, j'ai repris un paquet. Et qui dit gâteau chez Action dit gaufrette. C'était le dernier paquet. Et je l'ai vu, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, parce que j'en avais plus. Et comme ça faisait un moment que je n'étais pas allée chez Action, j'en avais pas racheté. Ensuite, j'ai racheté un déodorant. Oula, je vais te faire tomber. Un déo. Pour la petite histoire, regarde, je vais faire une vidéo sur les produits finis et je vous en parlerai. Donc voilà, franchement, il sent bon. Bon, non, je l'aime bien. Je vous expliquerai ce qui m'est arrivé avec l'autre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Alors là, on a pris des lingettes pour les toilettes. Elle a pris deux paquets, ma mounette. Et moi, j'en ai pris un. C'est très bien. On aime beaucoup les lingettes aux toilettes. Voilà, voilà. Alors là, ma mounette s'est pris un gel douche Cadom à la fleur de cerisier. Oui, ça sent très bon. Bon, après, Cadom, c'est une valeur sûre, sauf pour mon moyen, qui fait des allergies. Oui, fait des allergies au Cadom. Mais honnêtement, c'est très bien. Après, moi, j'aime bien les gels douche Dop. Cela, c'est mes préférés. Ah, encore des piles. Mais voilà, ça, ça doit être les miennes. Donc, voilà. Je vais essayer de les cacher un peu mieux parce que, bon, il y en a marre qu'on me les vole. Ensuite, je suis pas sûre qu'il y en a assez. Du ketchup. Honnêtement, franchement, c'est top. Il y a
1,35 kg. Je suis pas sûre qu'il y en ait assez, mais bon. Du ketchup de la marque Heinz, très bien. Cherchez la maillot aussi, il n'y en avait plus. Ensuite, dans les souplines. Alors, celle-ci, je l'adore. Elle sent trop bon. Alors, elle est un peu chère, on est d'accord. C'est un peu cher pour de la soupline, mais... Oh, cette odeur, mais je l'aime trop. Je sais même pas ce que ça sent. Est-ce que c'est écrit quelque part et pas en anglais? Ça serait cool. Non, Golden Sunshine, je sais pas ce que ça veut dire. Mais le soleil. Ouais, ça sent le soleil? Ben, il sent bon le soleil. Hein. Bon, bref, en tout cas, je l'adore. En continuant dans les soufflines, j'ai pris celle-ci de Fabiolosa. Je vous l'ai déjà montré. Je l'adore. Et ma mounette s'est pris celle-ci, l'autre senteur. Mais je l'aime moins, celle-ci. Franchement, j'aime moins l'odeur. Donc, je préfère celle-là. Donc, moi, j'ai la bleue et elle, elle a la colorée. Mais honnêtement, 1,99 €, ça vaut le coup, quoi. Elle sent bien. J'ai déjà utilisé celle-ci plusieurs fois. Ça tient bien sur le linge. Alors, c'est pas le Lénor ou quoi, ou ça qui tient vraiment très bien sur le linge. Mais ça sent bon, voilà. Donc, honnêtement, allez-y, foncez. Je crois que j'ai pris autre chose. Voilà, pour le linge, j'ai repris ça. Alors ça, ça sent mais tellement bon, mais vraiment. Alors, c'est qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une soupline, hein, il me semble. Je sais plus. Alors, attendez. C'est jamais écrit en français. Jamais. Ah, c'est écrit derrière en français. Hop, on ouvre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Espagne, tac, tac. Ah, ben, il y avait écrit en français. Ah, ben, c'est pas écrit. Ah, ben, d'accord. Eh bien, écoutez, je suis pas bilingue, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, ça sent bon. Hein. Allez-y, foncez. Moi, je mets ça dans le bac, là, de la soupline. J'en mets un petit peu et ça sent très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Bah, avec ma mounette, on a pris chacune un petit cendrier, parce que le mien est en fin de vie. Je l'avais acheté chez Action. Et on a pris la couleur dorée. Écoutez, ça fait un peu starlette. Ah oui, c'est mieux de ne pas fumer, mais bon, voilà. On a pris des cendriers. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? De la vinaigrette à la moutarde et au miel. Franchement, elle est très, très bonne. Si je peux vous conseiller une vinaigrette aussi, c'est à Salad & Co. Ils vendent leur vinaigrette. Et la miel, c'est miel moutarde aussi. Hein. Elle est bonne, mais elle est bonne, franchement. Allez-y, mais celle-ci est pas mal. Et puis, voilà, celle-ci, voilà. Mais bon, en tout cas, Salad & Co, allez-y. Franchement, ça vaut le coup. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... Ah, j'ai trouvé dans la gamme comme ça, pastèque, je n'ai trouvé que le sérum. Je suis à la recherche de... Il y a une crème, il me semble. Et un gommage démaquillant. Non. Un baume démaquillant? Enfin, je sais pas. Donc, du coup, alors, attendez, on va ouvrir. Et ça, c'est un sérum à appliquer après sa crème de jour. Donc, Iliana les voulait, mais bon, un sérum à son âge, elle n'a pas besoin. Hein. Donc, voilà, ça, c'est comme ça. C'est joli, c'est très girly. Donc, ça serait à la pastèque. Ça sent bon, ça sent la pastèque, ça sent très bon. Donc, écoutez, quand j'aurai fini mon sérum que j'utilise, ben, j'utiliserai celui-ci et je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, c'est trop mignon. Alors, il nous reste deux articles. Alors, déjà, bon, je ne l'ai pas avec moi. Il est dans le camion de mon mari. Ça va partir chez ma belle-sœur. On a acheté à Idriss un toboggan. Oui, 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 un toboggan. Alors, pas pour ici parce que bon... Ah là là, mais je viens de voir quelque chose. On peut mettre là... Le tuyau d'arrosage juste ici pour qu'il y ait de l'eau qui coule. Oh là là. On va le mettre à la descente de la piscine de ma belle-sœur. Ça va être sympa cet été. Mais en tout cas, voilà, un toboggan. Donc, c'est pour les 1-3 ans. Donc, parfait pour lui. Et bien, écoutez, je crois que c'est aujourd'hui qu'ils vont l'installer. Donc, ça promet, ça promet. Et le dernier article, c'est ce sac de sport. Alors, c'est pas pour faire... Ah, il reste encore quelque chose. Ah oui, il reste encore. Bon, je vous montrerai après. Un sac comme ça. Alors, honnêtement, je vais vous montrer la photo, ce sera plus simple. Bon, il n'est pas vilain, il est noir. En fait, je vous explique. Ma maman avait un sac, parce que quand elle vient dormir à la maison, elle prend un sac avec ses affaires. Et moi, je voyais... Quand je l'ai vu, j'ai vu un sac noir avec un logo. Bon, écoutez, ça ne me dit rien du tout. Et là, mes enfants... Oh non, mais mamie, t'as un sac Under Armour, mais il est trop beau, mais on le veut. Donc, ils lui ont braqué le sac. Elle s'est retrouvée avec une poche de chez Action ou de je ne sais quoi pour mettre ses affaires. Ça, c'est les mamies, il n'y a que elles pour les faire.
Donc là, aujourd'hui, quand, parce qu'elle est à la maison, elle a dormi hier soir à la maison. Et elle est arrivée avec son cabas, comme ça, de Action et ses vêtements. Donc, bon, il était temps qu'elle s'achète un sac. Et celle-là, je suis pas sûre que les enfants le prennent. Non, c'est... Hein? Je... Non. Mais bon, voilà. Donc, voilà, le sac, mais il est bien. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Sac universel 55 par 25 par 29, 100% polyester, léger, convient comme bagage en cabine, grand volume et diverses poches. Voilà. Et j'ai pris ceci, c'est un petit support pour mettre une bougie, je pense, dans ma cuisine. Trop, trop choupinou, voilà. C'est la matière, elle est comme ça. Et ça existait en beige ou en blanc, il me semble. Blanc cassé, moi j'ai pris en noir. Donc, voilà, voilà. Mais écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Oui, bah déjà, il y en a partout. Vous avez vu, c'est un super haul. On est à 21 minutes de haul. Non, c'est pour vous dire. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez trouvé certaines choses. Moi, je suis à la recherche de la gamme celle-ci. Je suis à la recherche de ces pots de crème. Je vous mettrai l'image là. Et qu'est-ce que j'ai... Et ce vase. Regardez-moi ce vase. C'est ce vase que je veux voir. Ma maman me regarde parce que je monte la pièce. Il n'y a rien. On est une famille de branques, quoi. Mais en fait, je vais mettre l'image, maman, là. Je vais incorporer l'image. Non, non, je montre le mur. Donc, voilà, le vase, il est trop beau. Il existe en trois coloris, mais alors le blanc. Il ressemble à la petite lampe, là, de table que j'ai trouvée dernièrement. Donc, ouais, je suis à la recherche de ça. J'espère que je vais trouver toutes ces merveilles. Et Action, franchement, je me suis dit, bon, le mois prochain, j'achète rien. Ils nous mettent des nouveautés, mais de dingue. Et on est obligé. Je sais pas comment ils font. Je sais pas. Parce que ça, ma fille m'a dit que c'était un dupe de quelque chose. Alors, honnêtement, vous savez que moi, les dupes, je ne connais pas. Je lui redemanderai si je trouve l'image, je vous mettrai. Moi, je sais pas. J'ai trouvé ça joli, c'est girly, ça sent bon, c'est tout. Mais bon, voilà, apparemment, c'est un dupe. Bon, on n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Je vérifie bien. Tout est vide. Bon, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. À bientôt, bye bye!